L'ambassade UK en Algérie hisse un drapeau LGBT et déclenche un débat sur le net. Un drapeau des minorités sexuelles hissé à l'ambassade du Royaume-Uni en Algérie plus tôt dans la semaine pour annoncer la Gay Pride à Londres ne cesse pas d'agiter les utilisateurs des réseaux sociaux. L'ambassade britannique en Algérie a hissé le 4 juillet le drapeau LGBT en prévision de la Gay Pride qui s'est déroulée trois jours plus tard à Londres. Le ministre d'État britannique pour le Commonwealth et les Nations Unies, Lord Armad de Wimbledon, qui s'est rendu en Algérie du 3 au 5 juillet, et l'ambassadeur Barry Loven ont été photographiés devant les drapeaux britanniques et LGBT. Lors de sa visite en Algérie, Tariq Armad a eu l'honneur de hisser le drapeau arc-en-ciel pour célébrer l'événement London Pride qui sera organisé à Londres le samedi 7 juillet, ont écrit des diplomates britanniques sur le compte Facebook de l'ambassade. En Algérie, l'homosexualité est considérée comme un délit et est passible d'amende ou de peine d'emprisonnement. Ainsi, cette publication est le fait de la démonstration du drapeau des minorités sexuelles par une mission diplomatique étrangère en Algérie ont divisé les utilisateurs des réseaux sociaux. Certains utilisateurs n'ont pas caché leur indignation, ils, les Britanniques, NDLR, nous humilient lors notre jour de l'indépendance, le 5 juillet. C'est un peu bizarre. Nous devons rompre nos relations diplomatiques avec le Royaume-Uni, nous n'avons pas besoin d'eux. Ils sont déjà seuls dans l'Union européenne, ils sont faibles maintenant, d'autres internautes ont salué l'initiative britannique ou ne s'y sont pas opposés. Bravo, tous les pays du monde doivent progresser et accepter tous les gens quelle que soit leur orientation sexuelle. Bravo à l'ambassade britannique. Vous représentez un pays où des idéaux de tolérance, de respect sont fondamentaux. Finalement, sur Twitter, certains ont préféré réagir plutôt avec humour au drapeau hissé au-dessus de l'ambassade.